On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est ça. J'espère que vous portez tous très bien. Pour ma part, ça va. Aujourd'hui, les gens, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose que j'ai reçue. On va axer la vidéo sur un produit que je n'ai jamais testé, mais que j'ai beaucoup entendu parler, qui est tout simplement la spiruline, qui est quelque chose de très intéressant. Allez, on regarde ça ensemble. Donc, oui, il y a quelques jours de ça, j'ai reçu ce petit colis qui comprend beaucoup de choses, dont la spiruline. Je vais d'abord aborder le sujet de la spiruline, parce que je pense que c'est important que les gens sachent à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est tout simplement. Alors juste avant de commencer la vidéo, je souhaite remercier la marque Vegalia, donc le site qui m'a envoyé le complément alimentaire, les compléments alimentaires, j'en dis pas plus, on verra tout ça dans la vidéo. Donc dans cette petite boîte que j'ai reçue, j'ai plusieurs compléments alimentaires, des compléments alimentaires qui sont bio. Donc Vegalia, c'est, comme vous avez compris, c'est un site de revente de compléments alimentaires bio tout simplement. Alors, qu'est-ce que la spiruline? La spiruline est un composé naturel de cyanobactéries, tout simplement une bactérie qui grandit à la surface de l'eau et qui est ensuite recueillie pour être utilisée en tant qu'aliment. Oui, en tant qu'aliment, parce que la spiruline n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est utilisé depuis des siècles par les peuples précolombiens. Oui, je me suis renseigné, c'est très intéressant les gens. Ils utilisaient tout simplement cet ingrédient pour se nourrir. Bien évidemment, vous ne le consommez pas comme ça, vous le mélangez à d'autres choses. Et ce qui était fait auparavant, c'est de faire des galettes avec la spiruline qui permet d'avoir une bonne source alimentaire pour la journée. Alors la spiruline a été redécouverte dans le 20e siècle en tant que complément alimentaire. Effectivement, lorsqu'ils ont vu le composé de la spiruline et tout ce que ça pouvait apporter, donc ils ont décidé de le transformer en complément alimentaire. C'est toujours utilisé de nos jours, donc c'est juste génial. Juste génial, c'est quasiment le terme. Pourquoi? Parce que la spiruline contient toutes les vitamines nécessaires pour le corps, à savoir la est long. La vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine B1, la vitamine B2, la vitamine B3, la vitamine B6, la vitamine B8 et la vitamine K. Mais aussi du calcium, du fer, du magnésium, du zinc, du potassium. Voilà, la liste est très très longue. Donc vous aurez compris que les effets sur le corps sont quasiment bons. Donc il n'y a que du positif dans la spiruline. Elle comporte des vertus anti-inflammatoires. Elle renforce le système immunitaire. Elle détient des propriétés antioxydantes qui permettent de limiter le vieillissement des cellules, mais aussi de la peau. Elle permet aussi de réduire la tension artérielle et bien plus encore. Comme vous aurez compris, la spiruline, c'est un élément surpuissant, c'est un super élément. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec ce petit colis que j'ai reçu. Donc ce colis, il ne contient pas que de la spiruline. Donc ça, c'est un pack vendu sur le site de Vegalia. Donc l'objectif de ce pack, c'est de faire une cure sur 3 mois. Donc là, j'ai le pack tonus sport qui correspond tout simplement à mon activité qui est de faire du sport. Génial. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, ce site il est bio, donc tous les produits que vous allez commander sur le site sont bio. Pour ceux qui ne sont pas très au fait de ce qui est bio, ce qui n'est pas bio, ce qui est bio c'est tout simplement tout ce qui est cultivé sans pesticides et autres produits chimiques. Donc là on se retrouve directement avec la spiruline qui se présente comme ça. Donc c'est un sachet de 500 comprimés. Donc il y a beaucoup d'informations derrière qui expliquent ce que la spiruline. Spiruline en premier qui est pour moi le truc que j'ai vraiment envie de tester, que je vais tester sur 3 mois et j'ai hâte de voir les effets que ça aura sur moi. Ensuite, on se retrouve avec du magnésium. Le magnésium, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté sous la chaîne qui est très efficace pour la concentration et réduire la fatigue musculaire et bien d'autres choses. On peut voir qu'il y a 120 gélules. On verra comment la cure se déroule en fonction de quelle quantité que je dois prendre chaque jour. Et pour finir, les gens, on se retrouve avec du curcuma bio. Donc le curcuma, c'est similaire à ce que j'ai présenté la fois dernière qui est le gingembre. Donc c'est la même famille que le gingembre. L'objectif, c'est de réduire les effets inflammatoires sur le corps. Donc c'est-à-dire que lorsque vous faites du sport, vous avez des courbatures ou lorsque vous vous blessez ou lorsque vous avez des douleurs, ben tout simplement, ça vous aide à limiter tout ce qui est douleur, etc. Et le fait de se compléter, de se supplémenter permet de récupérer mieux et de soigner le corps plus vite. Alors j'ai fait un tour sur le site pour comprendre comment je devais consommer ces différents éléments sur 3 mois. Donc pour la spiruline, il faudrait que je prenne 3 gélules, magnésium une gélule, curcuma une gélule. Donc je peux faire ça 2 fois par
par jour. Donc on verra si ça m'est utile. En général, j'aime bien prendre les choses une fois dans la journée. On verra bien les résultats de cette cure sur mon corps, sur ma santé en général, sur ma concentration, sur ma récupération, sur ma performance au niveau du sport. J'espère que je vais pouvoir lever des charges hyper lourdes. Bon, je peux pas terminer cette vidéo sans vous montrer à quoi ça ressemble tout simplement la spiruline. Donc comme vous pouvez le voir sur le packaging, il est affiché en vert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des gélules, on va regarder comment c'est. Allez, je vais prendre une gélule. Donc ouais, c'est vraiment du vert. Oh, il y a même... Oh là là, oh, ça tache en plus. Mais ça marque très vite, hein. Je suis déjà coloré. Donc ça se présente comme ça, sous forme de comprimé. Donc c'est intéressant. Donc à voir s'il faut l'avaler ou le laisser fondre sous la langue. Alors ce pack bonus, vous pourrez le retrouver sur le site de Vegalia pour un total de 63€. Donc il comprend le magnésium, le curcuma et la spiruline. Ça peut faire peur de se dire que ça coûte aussi cher. Mais à savoir que vous avez quand même des produits de qualité qui sont bio. C'est pas rien les gens. Bien évidemment, sous le site, vous pourrez retrouver d'autres paquets. Donc le mien, c'est le moins cher, donc il existe des packages un peu plus importants avec beaucoup plus de choses, donc je vous invite à aller visiter le site. Donc voilà les gens, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker un maximum, de vous abonner, de partager si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sahel. Allez.